Bon générique français, comme on adore, du bon vieux générique de vieilles séries télé de TF1 qu'on les a adorés. Et oui, c'était du bon, du gros, du merdique à chier, de l'extrême limite. Et salut à tous, c'est Eneox. Et aujourd'hui, je vais vous faire le test du jeu Extreme Sport, ou devrais-je dire Pepsi Max Extreme Sport, ou que devrais-je dire Sega Extreme Sport. Ce nom a des tas de... Ce jeu a des tas de noms, je veux dire, je m'enflamme. Et oui, je vais vous faire le test de ce jeu. Alors pourquoi il y a plusieurs noms avant de commencer ce test réellement? Je vous dis 2-3 petites anecdotes pour ce jeu qui est un peu un parcours assez atypique, dirons-nous. En fait, ce jeu à la base devait s'appeler Sega Extreme Sport. Il s'est appelé même Sega Extreme Sport car il est sorti d'abord sur Dreamcast en 2000 et il a été développé et édité par Sega. Alors, ce jeu est sorti en 2000 sur Dreamcast, était vraiment excellent, j'ai envie de dire. Vous allez le voir dans le test d'ailleurs, je vais vous le présenter, il est toujours aussi excellent. Donc voilà, il était développé et édité par Sega. Mais suite à l'affaire Sega, c'est-à-dire que la Dreamcast fut arrêtée, la vente de la Dreamcast fut arrêtée, Sega a arrêté les consoles. Une boîte a décidé de racheter la licence de ce jeu à Sega et de le porter sur PC. Et vous avez en face de vos petits yeux, de vos tout petits yeux, cette version PC que nous allons tester tous ensemble. Et oui, messieurs, dames, nous allons le tester tous ensemble. Je raconte totalement n'importe quoi. Alors, avant de commencer aussi, pourquoi je vous ai mis le générique d'Extreme Limit? Why? What the fuck? Pourquoi déterrer cette merde infâme qui était cette série qui était à l'époque sur TF1, je crois en 94, 95, je ne sais plus. Bah, deux petites raisons, tout simple. Déjà, le jeu n'a pas d'intro, comme vous pouvez le voir, j'ai envie de dire, ça commence directement en phase de gameplay en fond, donc ils se sont pas fait chier pour faire une intro, on va dire. Donc, vu que le jeu, comme vous voyez devant vos yeux ébahis, c'est un jeu sur l'extrême sport, comme son nom l'indique, sur les sports extrêmes plutôt. Donc ça s'y prêtait vraiment très bien, Extreme Limit, j'ai envie de dire, Extreme Limit, c'était la série, c'était le plus bel de la vie, ou non, pas le plus bel de la vie, c'était plutôt le sous le soleil avec des sports extrêmes. Et hop, le loading s'est lancé, mais c'est pas grave, le développeur et l'éditeur qui a développé le jeu, ben voilà, l'écran menu, il se lance. J'ai trop parlé, voilà, que je suis une pipelette, je parle trop, tout se lance, mais c'est pas grave. Je dis, voilà, donc c'était Extreme Limit, la série, c'était un peu un sous le soleil avec des cascades. Et la seconde raison pourquoi je vous ai mis Extreme Limit, parce que j'ai envie de dire, rendons à César ce qu'appartient à César, et j'ai envie de dire, rendons à Lenny Slash ce qu'appartient à Lenny Slash. Voilà, j'ai une discussion avec un pote à moi qui s'appelle Lenny. Coucou Lenny, si tu me regardes, comme dirait notre ami Michel Ricard. Et Lenny, si tu me regardes, ta limitation était nulle à chier. Je sais même pas pourquoi j'ai mis Michel Ricard de cette manière-là, mais je suis complètement fou. Je disais, voilà, mon ami Lenny qui a eu la folle idée de mettre sur sa page Facebook pendant une journée toute entière des séries, des génériques de séries télé totalement pourraves. Et en regardant le générique d'Extreme Limit, je me suis dit, putain, mais pourquoi tu ferais pas le test de ce putain de jeu qui ressemble énormément à Extreme Limit, comme vous allez le voir. Et ben voilà, je vous mets le générique d'Extreme Limit. Et voilà, vous avez les réponses maintenant. On va commencer le test, je vais arrêter de dire des conneries et j'appuie sur Start. Et qu'avons-nous dans les menus? Alors vous voyez que dans les menus, nous avons le mode championnat. Le mode course unique pour faire juste des courses sur une seule et unique discipline. Parce que vous verrez qu'on va enchaîner les disciplines comme vous pouvez le voir sur le fond dans le menu. On va enchaîner le quad. Merde, je rappuie Start. Merde, putain, j'en ai marre des menus qui se barrent. Je disais donc, on va enchaîner les disciplines. Le quad, le parapente, le VTT, le saut à l'élastique, etc., etc. Le course contre la montre, très classique comme dans tous les jeux de course. On a un course contre la montre, on a un timer, il faudra passer les checkpoints. Comme vous voyez, vous venez de le voir, la dame elle a passé le checkpoint. Le mode entraînement, c'est pour s'entraîner sur chaque compétition.
les pistes bonus, ben ça vous l'expliquerai un peu plus tard. Les meilleurs scores, ben c'est pour notre score, les options, c'est les options. Et quitter, c'est pour retourner sur votre bureau Windows. Allez, on va faire un petit mode d'entraînement pour vous montrer de quoi il en ressort. Si la manette veut bien fonctionner, qu'est-ce qui se passe? Que pasa, muchachos? Alors la manette ne fonctionne plus. C'est magique, ma manette c'est déco. Qu'est-ce qui c'est que ça? Ah bah putain, il y a eu une latence de... Non, non, c'est pas ça. Je sais pas ce qui se passe. Ça va marcher ou quoi? Entraînement. Ah voilà, putain, ma manette ne marchait plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Écoutez les belles musiques. Alors, en mode entraînement, vous voyez toutes les disciplines qu'on a dans le jeu. À la base, on a que les 4 disciplines en entraînement, mais j'ai réussi à débloquer toutes les disciplines. Vous voyez qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 disciplines. On a du snowboarding, du mountain biking, du vélo VTT en quelque sorte, du ATV en quad, c'est du quad, du speed gliding, c'est du parapente, du bungee jumping, c'est le saut à l'élastique, et du sky surfing. C'est du parachute, voilà. Alors, on va commencer par le snowboarding, le premier. Alors, comme vous pouvez voir, le jeu bug un petit peu, parce que ma version PC, je ne sais pas pourquoi, sur mon ancien PC, ça ne buguait pas, mais maintenant, sur mon nouveau PC qui tue de la mort, qui tue tout, bah, le jeu plante un peu, et bug un petit peu. Vous voyez que les personnages en 3D sont un petit peu translucides, et c'est aussi pareil sur les quads, vous allez le voir. Mais bon, que voulez-vous, ce n'est pas de ma faute, mais ça ne va pas gêner, ça ne gêne pas au gameplay. Donc voilà, on a 4 personnages, ce qui est un peu triste, parce qu'on a le choix entre 4 personnages pour toutes les compétitions. Vous allez voir que le jeu a une durée de vie assez limite, et en plus de ça, il y a un truc assez hallucinant, c'est qu'ils ont enlevé le mode multi qui était sur Dreamcast. Et ça, j'ai envie de dire, what the fuck. Voilà, c'est un truc de malade. Alors on a le choix entre 4 personnages, et ce qui est marrant, c'est que les 4 personnages, ben, ils sont assez caricaturales de leur région respective, de leur pays respectif. On a Nina qui vient de Suède, qui vient de Finlande ou de Suède. Putain, alors moi et la géographie, ça fait pas 2, ça fait pas 3, ça fait même pas 10, ça fait 1000 quoi. Ce drapeau c'est quoi? C'est la Suède, hein, je veux pas me gourer. Voilà, c'est la Suède. Donc on a Nina, âgée de 18 ans. 128 livres, c'est son poids, je parie qu'elle doit faire, je ne sais pas, en libre, c'est quoi la conversion, je ne sais pas. Bref, Nina, alors écoutez quand elle parle, elle fait hop, petit... Hello. Hello, 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 hey, qu'est-ce que tu fais, tu fais, son accent finlandais, non, suédois, j'ai dit quoi, putain, je sais plus, suédois, oui, suédois. Alors, on a l'américain Kat. Hi, je suis américain, regardez. On a l'anglais Noël. Avec son accent anglais british. Et moi mon préféré c'est celui-ci, écoutez. Parce que c'est un Jamaïcain. Et comment il s'appelle? Bah Raga. Voilà, les clichés, c'est magnifique dans les jeux vidéo. Et pour ça moi je kiffe. Voilà. Donc je prends toujours Raga parce que je le kiffe. Yes man, écoutez, il est branché. Alors on peut rentrer son nom mais je m'en fous. Je passe direct en arène parce que j'ai trop parlé. Comme d'habitude, vous me connaissez, je parle beaucoup avant de commencer. Et ça c'est un gros défaut. Et là vous voyez, avant de commencer on a toujours une petite cinématique où on nous montre le parcours que l'on va faire. Et vous allez voir que là c'est un bête jeu de snowboard tout simple, vraiment bien fichu. Alors les dangers de ce genre de jeu qui font des multidisciplines dans un jeu, c'est généralement que les disciplines respectives sont assez pourraves parce qu'on a les développeurs n'ont pas le temps de peaufiner chaque discipline chacune indépendamment de l'autre. Mais bizarrement avec ce jeu, pas bizarrement mais j'ai envie de dire heureusement, ben, les développeurs se sont bien cassé la tête à faire à rendre chaque discipline assez jouable. Donc franchement, le gameplay dans le jeu, vous allez voir, même si là je fais un peu de la merde, est vraiment pas mal, même si pour le snowboard, j'ai envie de dire, c'est le moins bon. Parce que le snowboard, en fait, bah, c'est une bête course, hein, il faut juste descendre la pente à toute vitesse. En faisant quelques cascades, vous voyez, hop, on peut faire des figures, c'est pas mal, même si là je fais toujours la même et que je me suis planté comme merde. Et je disais donc, oui, voilà, même si le gameplay du snowboard est pas tip-top, c'est le moins bien, mais ça reste quand même jouable et c'est assez... La maniabilité c'est instinctif quoi, c'est de l'arcade, donc on n'a vraiment pas de soucis de ce côté là. Même si encore une fois le snowboard c'est le moins bien parce que franchement il est hyper lourd. Je sais pas pourquoi ils ont fait cette maniabilité là pour le snowboard, mais c'est assez lourd quand on tourne et tout. Mais bon, ça reste jouable, c'est pas dégueulasse. Alors disait oui, on peut faire des cascades, vous voyez, en restant appuyé sur la touche du saut, puis en appuyant sur la touche pour faire des tricks, motherfucker, comme dirait les Américains. On peut faire des cascades, c'est pas des cascades, mais des mouvements quoi, des tricks. J'ai perdu le mot en français, mais c'est pas grave, vous m'avez compris. Alors, comme vous voyez en bas à droite, même si j'ai terminé le mode entraînement, c'est pourri. En bas à droite, on a le turbo, regardez. On peut activer, non, on a pas fait le turbo, c'est pas grave, on va recommencer vite fait pour vous montrer. Parce que ça a été trop vite, et comme je parle beaucoup, ça me stresse, c'est un truc de mal, c'est que je me coupe tout le temps et je...
Et je peux pas vous expliquer les choses, donc c'est assez hallucinant. On va refaire le snowboard une seconde fois. On prend toujours mon pote Raga parce que je le kiffe. Yes man, motherfucker. On s'en fout d'écrire son nom. Et je disais donc, comme vous avez pu le voir, on passe la cutscene, on s'en fout. En bas à droite, vous le voyez, turbo. Alors on a une barre de turbo, on l'a rempli dans la discipline snowboard, on l'a rempli en faisant des tricks. Vous voyez, regardez, hop, je vais l'activer, vous allez entendre le sifflement du vent, en quelque sorte. Voilà, là, mon perso va plus vite. Mais pour la remplir, faut pas faire le con et surtout faut faire des tricks, regardez, restant appuyé sur le bouton saut et quand on est sur le bouton saut, quand on lâche le bouton saut et qu'on est en l'air, il faut enchaîner le bouton de la croix et la croix directionnelle plutôt et le bouton des tricks pour faire des tricks justement, on peut faire des tricks dans tous les sens, regardez, hop, c'est le freestyle. Et le but pour pas se gourer, il faut juste atterrir sur sa planche. Bon là j'active un peu le boost parce que je suis dans une zone assez rocheuse donc ça va pas très vite. Sinon le jeu est très généreux hein. Même si on fait n'importe quoi, vous allez voir par exemple, si je fais ça par exemple, même si j'avais pas une si j'étais pas en l'air même si j'avais pas fait un saut mirobolant dirons-nous, le jeu est généreux, le perso atterrit plutôt correctement. Alors on peut faire aussi du grind motherfucker, je ne sais pas pourquoi à chaque fois que je dis à moi bien que je dis motherfucker mais je trouve que ça fait stylé motherfucker. Donc voilà, c'est assez stylé. Bon, c'est pas on n'est pas devant un SSX ou compagnie, mais ça reste quand même assez funny le snowboard. J'ai bien aimé, même si comme je vous disais, c'est le gameplay le moins intéressant parce qu'il suffit de descendre. Mais sinon, il reste pas mal. Allez, on passe à une autre épreuve. J'ai terminé, qu'est-ce qui se passe là? Hop là, le bug. Alors, oh, qu'est-ce qui se passe? Je peux passer là. C'était complètement con. D'habitude, quand tu passes sur le côté, ça se finit. Et là, ça s'est pas terminé. Mais bon, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Donc voilà, je disais aussi que je ne sais plus ce que je disais, mais c'est pas grave, ça va me revenir. On va voir les autres épreuves vite fait. Hein. Je vais vous montrer le VTT. On va prendre un autre personnage. Enfin, franchement, ils ont les gueules des nanas dans Extreme Limit. C'est pour ça que je vous ai aussi fait. Je vous ai mis le générique d'Extreme Limit. Parce que regardez, c'est les persos d'Extreme Limit. Quoi, on dirait. Si vous connaissez un petit peu la série, vous allez reconnaître un peu des faces de. Extreme Limit, motherfucker! Alors, dans chaque temps de rechargement, on a toujours un petit conseil. Alors, le jeu est entièrement en français, mais il y a des fautes d'orthographe, c'est juste hallucinant, quoi. Même moi qui suis pas très fort en orthographe, je fais énormément de fautes, je l'assume. Et là, c'est digne d'un élève de CM1, quoi. Ou de CP, même. Alors, le VTT, le gameplay est assez particulier, vous allez voir. C'est comme un Matoffman Pro BMX et tous ces jeux de VTT qu'on a connus. C'est assez pas mal. Alors on a la touche pour accélérer, c'est la gâchette droite. Quand on reste appuyé, vous voyez qu'il y a une jauge bleue qui est à droite de mon personnage. Quand je reste appuyé sur l'accélérateur, mon personnage continue à pédaler et cette jauge diminue. Si je reste trop longtemps appuyé, mon personnage va se fatiguer. Donc il faut que je relâche la touche d'accélération et la jauge se remplit. Mais le personnage va pédaler moins, donc il va aller moins vite. Donc faut vraiment gérer... je me suis gamélé là, faut pas se gamélé. Mais je disais oui, il faut gérer aussi la fatigue de notre personnage. Donc faut pas toujours rester appuyé comme un bourrin sur la touche d'accélérateur. Je trouve que cette subtilité, cette finesse dans le maniement du VTT, elle est assez pas mal. Donc on peut aussi faire des sauts comme dans le snowboard, allez, hop, pour sauter certaines plateformes pour aller plus vite en pente. Donc ça c'est assez pas mal. Donc voilà, j'ai bien aimé. Alors on a le bouton de frein toujours. Et on a aussi la barre de turbo, donc en VTT, regardez, on peut faire, non c'est pas cette touche là, mais on peut faire le turbo, donc ce qui est un peu con c'est que, bon, on a toujours le même son pour le turbo, mais c'est pas grave, hein. C'est pas très gênant on va dire, mais voilà, on a toujours cette barre de turbo, même si en VTT on ne peut pas la recharger, là voilà, j'ai trop pédalé, mon personnage s'est fatigué, donc il pédale moins vite, c'est par où, c'est par ici, voilà, alors désolé du bug, vous voyez qu'il y a des petites taches sur mon personnage, c'est des bugs dus à la version PC, je ne sais pas trop pourquoi. Alors, comme vous voyez, regardez, mon personnage met des petits coups et ça c'est pas mal. Ça me fait penser un peu aux vieux jeux pour les vieux gamers tels que moi ou les autres. Les vieux gamers tels que moi qui me regardent en ce moment même. Ça me fait penser un peu à Off-Road. On pourra mettre des coups de pied ou des coups de main ou des patates dans la gueule, des patates de forain, n'est-ce pas, à nos camarades, parce que là, comme tout à l'heure, je suis le mode entraînement. Parce que je vais vous montrer un peu les spécificités de chaque discipline. Mais plus tard, je vais vous montrer le mode championnat. Et on sera à 4 simultanément, ce qui est très peu dommage. Là aussi, c'est un point faible du jeu. C'est qu'on est que 4 à chaque fois simultanément. J'aurais bien voulu qu'on soit 6 ou 8. Ce serait fait des parties de ouf. Mais comme je disais, voilà. Alors, le jeu vous propose aussi de mettre des pains à vos adversaires. Et ça, c'est assez marrant. C'est comme dans Off-Road, le jeu de moto d'époque.
vous pouvez mettre des pains à nos adversaires sur le côté et on peut les expulser carrément quand ils sont à côté de vous. Donc ça c'est assez funny, vous allez voir. Le jeu n'est pas totalement fair play, même si c'est du freestyle, du sport extrême. Ben on a toujours cette possibilité, ouais, on peut mettre des coups. Bon là c'est pas terrible les coups, hein. Mais c'est assez marrant. Alors le quad est assez pas mal aussi, le maniement est assez cool. Comme pour le VTT et pour le snowboard, on a cette barre de turbo qui pourra nous être bien utile si on se fait larguer. Mais elle est pas infinie non plus, elle est pas comme dans le snowboard, on pourra pas la recharger. Faut bien gérer son turbo. On a aussi une touche pour freiner. Et sinon bah, le maniement se passe très bien. C'est un maniement autre que celui du VTT et du snowboard. C'est vraiment un maniement spécifique au quad. Mais c'est très jouable, très arcade. On a reçu quelques petits tremplins comme celui-ci. Mais faudra faire attention parce que à tout moment, si on fait une mauvaise chute, bah, on peut kicker son quad et faire une roulade tel Jean Alesi à l'époque où il conduisait des Formule 1 à fond, comme dirait les guignols. Voilà. Mais non, c'est assez pas mal. Franchement, le maniement du jeu en globalité, ça reste de l'arcade pure et ça, c'est vraiment excellent ici. Voilà. Alors, vous entendez aussi peut-être dans le fond des petites musiques assez sympathiques. J'ai envie de dire, ouais, les musiques sont plutôt assez bonnes, même si elles sont un peu répétitives à la longue, mais on peut les changer en une option, on peut les intervertir. Parce que chaque discipline a sa propre musique, dans chaque niveau différent. Donc, vraiment excellente les musiques, j'ai bien aimé moi. Donc voilà, c'est assez fun. Et voilà, bon, l'animation est pas terrible quand on clique sur le code, regardez, c'est assez pitoyable. Mais bon, ça reste que détail. Le jeu est tellement bien que je vous le conseille d'ores et déjà, mais. Faut savoir qu'il y a un mais pour cette version PC. Je vous fais la dernière épreuve parce que les deux autres épreuves, vous allez voir que c'est qu'un détail. Je prends ma petite suédoise. Et comme je disais, donc, je vous conseille, mais sur Dreamcast, pas sur cette version PC. Tout simplement parce que, premièrement, il n'y a pas de mode multi et ça, c'est une honte intersidérale. Alors, je vous montre un peu, on vous montre le parcours qu'on va parcourir, justement, comme je vous disais tout à l'heure. Et comme je disais, ouais, il n'y a pas de mode multi, même pas de mode online, et ça c'est une honte absolue. Les gens qui se sont occupés du portage, j'ai oublié le nom de développeur, mais je vous l'ai mis sûrement en sous-titre, vous aurez sûrement dû le voir au tout début de la vidéo. Comme je disais, ouais, ils sont pas mis de mode multi, même pas de mode online, et ça c'est pitoyable, bou, caca, pas beau. Et autre point noir, alors la version Dreamcast avait quelques petits défauts aussi, elle avait des ralentissements. Et pour ce portage PC, ben, ils se sont pas fait chier, on a toujours les mêmes ralentissements et ça c'est honteux. Alors c'est pas dû à la version PC, hein, c'est vraiment dû à l'optimisation du jeu qui a été bâclée par les développeurs. Bon, sur Dreamcast ça pouvait passer parce que comme vous pouvez le voir, et je vous l'avais pas encore dit, mais les environnements de jeu sont juste gigantesques pour l'époque. Franchement, on pouvait voir, c'est vrai que le jeu souffre un peu de clipping, mais... clipping, qu'est-ce que c'est pour ceux qui savent pas, vite fait, même si ça m'étonnerait que vous savez pas ce que c'est, mais bon, c'est toujours bon de l'exprimer, de le dire, de dire ce que c'est. Le clipping, c'est en quelque sorte, c'est la distance d'affichage de ce qu'on voit au loin. C'est-à-dire que plus on avance, plus on est loin, je veux dire, et plus le décor disparaît, plus on avance, plus il apparaît. Donc, c'est ça un peu le clipping. Et le jeu souffre un petit peu de ce problème-là, en quelque sorte. Même si on voit très loin, attention, regardez, on voit de très loin, mais le décor se forme au fur et à mesure qu'on avance. Il souffre un peu de ça, mais... c'était pas vraiment le problème majeur. Le problème majeur c'était plutôt les ralentissements quand on était à plusieurs sur Dreamcast. Même si sur Dreamcast on pouvait pardonner ça, sur PC c'est impardonnable, ils auraient pu au moins régler ce petit détail. Alors ce que je suis en train de faire, même si c'est pas français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. C'est en fait du parapente, mais du parapente assez spécial parce qu'on est attaché à un avion. Comme vous pouvez le voir, il est dans le fond avec sa fumée. Et en fait on est traîné tout au long du parcours. Comme vous pouvez voir, il y a des bouées bleues et des bouées rouges. En fait, il faut toucher toutes les bouées bleues pour avoir de l'accélération. L'accélération, ben, elle est symbolisée par cette barre bleue. Elle est identique à celle du VTT, mais c'est pas la même parce que cette barre bleue symbolise ma vitesse. Ma vitesse qui diminue constamment, mais pour la laisser en vitesse constante et pour accélérer plus rapidement, il faut toucher les bouées bleues. Mais si par malheur on touche les bouées rouges d'indication de chemin, ou si on passe pas là où elle nous indique, ben, l'accélération diminue et on recule, tout simplement. Et là, vous voyez qu'il y a un petit ralentissement et ça, c'est regrettable. Donc voilà, c'est ça le deltaplane, ça c'est pas mal, ça se manie plutôt bien, donc pas de gros problème. Et regardez, il y a un petit détail là, à un moment on va me dire d'appuyer sur la touche action pour se lâcher, il faut atterrir au bon moment. Et quand on atterrit, mais un peu à côté, il faut bourriner la touche action pour arriver sur la zone d'atterrissage. Donc si on atterrit pas, si on lâche pas, on appuie pas sur le bouton action au bon moment, ben, l'avion ne nous lâche pas. Donc la corde qui nous relie à l'avion ne nous lâche pas, il y a un beau bug là, vous voyez. C'est assez magnifique. Et comme à chaque fin de l'épreuve, enfin aussi, je vous l'ai pas dit, il y a un jeu de replay avec des caméras assez stylées. Je vais vous laisser pour vous expliquer un peu le parapente vitesse. Comme je disais, oui, voilà.
Si on n'appuie pas sur la touche action au bon moment à la fin de l'épreuve du parapente, bah, la corde ne cède pas et l'avion nous traîne jusqu'à je ne sais où. Et si on lâche trop tard ou trop en avance, bah, on n'atterrira pas dans la zone d'atterrissage convenu et ce sera carrément le game over. Donc faut vraiment faire attention à l'atterrissage, mais généralement ça se passe plutôt bien. Comme je vous le répétais, comme je vous l'avais dit, comme je vous le répète, le gameplay est vraiment funny, franchement c'est de l'arcade, c'est pas de la prise de tête, c'est de la prise de main, c'est de la prise en main instantanée. Donc c'est assez funny. Allez hop, on passe le replay, cette fois-ci je vais vite faire le mode championnat parce que la vidéo, je vais pas faire une vidéo de 107 ans non plus. Alors ça c'est le saut à l'élastique et le parachute, je vais vous montrer en championnat, c'est pas des épreuves en soi, c'est juste des mini-jeux en quelque sorte. Donc, non, je vais quitter madame. Voilà, un petit temps de chargement. Et donc voilà, alors franchement je vous conseille sincèrement sur Dreamcast, hein, évidemment, pas sur PC, parce que franchement sur PC voilà, il n'y a pas de mode multi, ça c'est une aberration. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de mode multi, même pas de mode multi en écran split à la rigueur, un mode 2 joueurs comme sur Dreamcast, mais non, pas du tout. C'est assez naze, c'est assez pourri ça, de la part des développeurs sur PC, mais bon, que voulez-vous. Non, qu'est-ce que je fais là? Retour. Voilà, et sinon, la faible durée de vie, parce que vous allez voir, en mode championnat, on a droit que à 3 épreuves, en quelque sorte, c'est-à-dire 3 parcours. On a le mode easy, le mode hard et le mode extrême. Et dans chaque mode, bah, on a 3 circuits différents, 3 épreuves différentes. 3 épreuves pour la mode easy plutôt, 4 épreuves pour le mode hard et 4 épreuves pour le mode extrême. Mais ce qui est très très peu, parce qu'on finit ça genre en même pas 30 minutes, un quart d'heure. Bon, un quart d'heure, j'exagère un petit peu, mais allez, 30 minutes, 45 minutes, on termine le mode championnat, ce qui est minable. Heureusement que dans le mode championnat, comme vous allez le voir, il y aura quelques petites pièces à récolter pour débloquer des niveaux bonus, comme je vous le montrerai un peu plus tard. Allez, on fait le mode easy pour pas me prendre la tête. Is money. Et je vais prendre mon pote Raga. Parce que franchement, ils se sont pas fait chier quoi. Le Jamaïcain, mais il s'appelle comment Raga? Ah bah oui, on va l'appeler comment? On va l'appeler Raga. Voilà. C'est fouillé. Mais bon, on va pas se nommer. On s'en bat les couilles. Et voilà, alors toujours des petites indications. Vous avez peut-être le temps de voir les fautes d'orthographe qui sont atroces. Alors, c'est assez stylé les caméras, je trouve. Regardez, c'est assez funny. On voit le parcours avec une caméra flottante. Ça, c'est pas mal. Alors, comme je vous disais, le jeu, ce qui impressionnait à l'époque, c'était sa distance d'affichage. Même si je vous dis qu'il saute un peu de clipping, mais comme on voyait hyper loin, c'était aussi le fait qu'on pouvait rouler n'importe où. C'était pas juste un tracé droit où on devait suivre bête et méchamment. Ça ne veut rien dire ce que je dis, mais c'est pas grave, putain, ils m'ont largué ces connards. Alors là, on est avec des potes à nous et on doit les doubler tout simplement. Dommage qu'on soit que 4, ça c'est assez pourri aussi. Hop, je fais une petite cascade pour augmenter mon turbo et je me suis gamé comme une merde. Et comme je disais, ouais, ce qui a impressionné à l'époque, c'était ses graphismes, parce que le jeu est plutôt joli. Hein. Pour de la Dreamcast, c'était assez pas mal et franchement, ça a dépoté grave. Alors là, ils m'ont largué, mais c'est pas possible. Ils se disaient, voilà, graphiquement, c'était assez funny. On avait aussi le choix, bah, comme vous le voyez, de faire n'importe quoi. Je fais de la merde. On avait énormément de raccourcis. Non mais là je fais totalement. Je suis à deux doigts de refaire la course là. Je fais n'importe quoi. C'est honteux. Disais ouais voilà. On avait le choix, on avait une multitude de passages secrets, de bifurcations dans tous les sens. Donc franchement ça c'était assez funny. Dans toutes les épreuves, hein, pas que pour le snowboard, pour le quad, pour le VTT, même dans le parapente. Donc ça c'était assez fun. Là j'ai fait n'importe quoi, je vous jure, c'était hallucinant. Je me suis pas concentré. Alors ce qui est assez pas mal, vu que les circuits sont assez ouverts et qu'on a vraiment le choix de faire plusieurs chemins, on a une petite flèche comme vous voyez en bas au centre. Ça c'est pas mal. Alors voilà, quand on finit une épreuve, vu que dans le mode championnat on les enchaîne, on doit bourriner quand on arrive à la fin d'une épreuve, on doit bourriner la touche A pour notre personnage court prendre son véhicule suivant. Donc là par exemple, je suis passé du snowboard au parapente. Parapente, je ne sais plus, mais bref, voilà, pour prendre ce véhicule, c'est le parapente, ça, oui, voilà. Et là, regardez, là, je dois lâcher, ah, ouais, j'ai lâché, et hop, on passe au quad directement, j'appuie sur la touche A, et on passe au quad, donc voilà, ça s'enchaîne directement sans temps de chargement ni rien, et ça aussi, ça a impressionné à l'époque, donc là, je suis quatrième, comme vous voyez, en haut à droite, en haut à gauche, pardonnez-moi, c'est minable ce que j'ai fait, je me suis pas concentré du tout sur la course. Donc oui c'est une course, évidemment c'est une course au checkpoint, ça je vous l'avais pas dit. C'est pas des courses sans aucune finesse, j'ai envie de dire, c'est pas une course où le but principal c'est juste de doubler ses adversaires, non, parce qu'on aura un timer comme vous voyez en haut au centre. Faudra passer les checkpoints à temps, dans n'importe quelle épreuve, vous voyez là je passe un checkpoint.
En mode easy, c'est assez simple. Le jeu en général est assez simple, même en mode les plus avancés, donc c'est pas très compliqué, même si là je joue comme de la merde et je termine dernier lamentablement comme une pauvre merde parce que j'ai fait vraiment de la merde. Franchement, avant de capturer la vidéo, j'ai terminé tout le temps premier. C'est juste que là j'ai fait de la merde, j'ai fait de la bouse et là on remonte le replay. Mais c'est pas très intéressant, mais j'ai joué comme de la merde. Alors, on va passer à l'épreuve suivante parce que à chaque mode de jeu en easy, hard et extrême, on a plusieurs épreuves, comme je vous le disais. 3 pour mode easy, 4 pour les deux autres niveaux de difficulté. Et là, j'essaie de me concentrer pour ne pas faire de la merde. J'utilise le turbo et là, des tremplins. Ouais, ce qui était impressionnant, c'était vraiment la liberté de déplacement dans ces mondes ouverts. On pouvait pas aller n'importe où non plus, on pouvait pas faire ce qu'on voulait non plus, parce que ça n'a pas de sens non plus de rouler sur le haut de la colline. Mais merde, je me suis gamé. Voilà, vous avez vu, il y a eu un ralentissement. Alors ça, c'est pas dû à mon PC, loin de là, parce que j'ai un PC qui devrait le faire tourner à l'aise, comme on dit. Mais le problème, c'est que c'est le jeu qui n'est pas du tout optimisé sur PC. Il y a des ralentissements plus que sur la version Dreamcast, c'est honteux. Et regardez, je dois bourriner la touche vite fait sur la touche A. Et ouais, en bourrinant la touche A, mon personnage courra plus rapidement vers l'épreuve suivante. Ce qui est aussi important à signaler, c'est qu'il faut bien gérer, pas comme moi là, je fais un peu de la merde, dis donc, il faut bien gérer le freinage à chaque fin d'épreuve, parce que franchement, si on freine trop tôt ou trop tard, on sera trop loin de l'épreuve suivante, et on risque d'être en retard pour passer à l'épreuve suivante. Par exemple, là, voilà, j'ai fait un très bon atterrissage, non, j'ai fait de la merde, hein. Qu'est-ce que je raconte, j'ai fait de la merde. Non, je disais voilà, il faut gérer son atterrissage ou son freinage avec justesse pour arriver le premier sur l'épreuve qui suit. Donc là, encore une fois, je me fais bien niquer, même si là, qu'est-ce que je fais là? Merde, je suis perdu. Oh, mais j'ai pris un contresens, mais quel boulet! Mais il n'y avait pas la flèche qui s'est affichée, mais j'ai fait n'importe quoi, c'est hallucinant, je fais de la merde. Donc bref, c'est encore perdu, mais c'est pas grave, j'avais tout débloqué avant. Voilà. Je vous montre un petit peu ce pont qu'il est bien fait. J'ai fait vraiment de la merde, je suis désolé. Donc ouais, je disais, ouais, faut bien gérer son freinage à chaque fin de l'épreuve pour arriver à temps et être le vainqueur. Pas comme moi qui fais le boulet. Donc voilà, c'est assez pas mal, franchement, on peut rouler là où on veut. Même si on nous indique par des flèches un chemin prédéfini, il est préférable de couper à travers champs, comme dirait l'autre, pour trouver les raccourcis les plus judicieux, voyez-vous. Et là, je viens de finir, je finis de renouer comme de la merde. Et là, je cours pour faire du snow, en quelque sorte, sur de la terre. Est-ce que je peux les rattraper? Donc non, on voit déjà que la première a terminé, le second aussi. C'est la fin du snow, je vais faire une cascade pour bien terminer. Hop, je me suis rechargé un peu en turbo, mais c'est déjà perdu, hein. Faut pas rêver, donc on peut faire des cascades de oufo. Même si je me suis gavé, mais c'est pas grave. J'ai joué comme de la merde. Voilà, que vous dire de plus. C'est vraiment un excellent jeu. Moi, un excellent jeu que je vous conseille, comme je vous le disais, sur Dreamcast. Alors, sur Dreamcast, il y a le mode 2 joueurs, mais il y avait aussi un mode online à l'époque qui était assez pas mal, franchement. Dommage qu'il était pas trop joué. Franchement, il était pas trop joué. Franchement, c'était excellent de jouer en multi à ce jeu. Ce qui est aussi dommage, comme je vous le disais, très peu de personnages à sélectionner, que 4 simultanément en course et pas de mode multi sur PC, aucun mode multi, 0, ça c'est une aberration, c'est une honte. Franchement, c'est pourri sur PC et franchement, sur PC, carrément, ça fait un petit peu chier vu qu'on est seul à faire les courses. Bon, quand on termine tout, on se fait chier, surtout que le mode solo se finit très vite. Heureusement qu'on a le mode spéciaux pour un peu rajouter du challenge, mais sinon, aucun intérêt de le faire sur PC, sincèrement. Alors ouais, il y a des ralentissements, mais ça c'est un truc de oufo. Franchement, c'est un truc de malade. L'optimisation aussi a été bâclée sur PC. Je me viens de me gaver. Alors l'animation est pourrie quand il se gamelle aussi. Il se frigifie. Non, ça se dit pas, c'est n'importe quoi. Je veux dire, genre, il bouge plus. Je trouve plus le mot, mais c'est pas grave, vous m'avez compris. Il se statufie. Non, ça ne veut rien dire. Bref, il devient immobile comme une pierre, il ne bouge plus. Bon, l'animation des persos, elle est pas, c'est pas non plus du grand chef-d'œuvre, mais en termes de graphisme, c'est assez pas mal. Même si là, je me disais, ouais, j'ai des petits bugs, je comprends pas trop. Donc voilà. Et hop, on passe direct au snowboard. Donc je bourrine la touche action. Allez, bourrine. Sur le cas, c'était la touche A.
Et là, c'est la touche action. Donc, j'ai configuré avec mon manette, comme vous voulez. Vous pouvez configurer sur PC. Voilà. Donc, dommage qu'il n'y ait pas de mode multi, même pas de mode splitté, parce que franchement, multi, il déchire sa mère ce jeu. Voilà, hop, une cascade, j'augmente mon boost. Hop, je mets le turbo. Hop, je peux faire une autre cascade, j'augmente mon boost. Hop, voilà. Non, vraiment, vraiment pas mal ce jeu. Je vous le conseille sur Dreamcast, sur PC. Bon, bah, à la rigueur, si vous le trouvez sur PC, je vous ai dit ce qui vous attend. Regardez, là, j'essaye de freiner au bon moment, même si c'est fait automatiquement, mais si on arrive à bien gérer le freinage, bah, on peut aller vraiment. Prendre beaucoup beaucoup d'avance. Là je fais n'importe quoi parce que je suis resté appuyé sur la gâchette pour accélérer. Parce que quand on touche sur les... Alors le delta plane, mais je dirige avec les croix. Là je fais n'importe quoi, je touche les bleus et les rouges depuis tout à l'heure. C'est pourri, je fais n'importe quoi. Je disais oui voilà, je dirige avec la croix ou le joystick multidirectionnel. Mais on peut aussi diriger ces mouvements latérales de gauche à droite avec les boutons des gâchettes en fait, gauche et droite. Comme un con je suis resté appuyé, c'est pour ça qu'il a viré vers la droite. Alors voilà hein. C'est du très classique, bon il y a que 4 épreuves, bon vous allez voir après sur le mode hard où il y aura 2 petites épreuves en plus. Le parachute, non le parachute je crois que c'est en extrême, je sais pas si vous aurez le temps de le voir, peut-être je vous le ferai en entraînement vite fait. On a le parachute et le saut élastique c'est tout con, faut rester appuyé au bon moment pour attraper la rambarde, parce qu'on va sauter en élastique pour faire l'épreuve suivante. C'est tout con con. Mais sinon les 4 épreuves sont vraiment bien bien fichues. Voilà. Alors là il faut que j'appuie sur le bouton action pour lâcher la corde au bon moment et atterrir. Donc l'atterrissage n'est pas très compliqué là, ouais. Allez là il dit beautiful parce que j'ai fait un atterrissage assez classe. Et j'aurais eu le troisième comme une merde, j'aurais pu faire mieux. Je joue comme une merde, je m'en excuse. Voilà. Alors bah, parlons un peu d'Extreme Limit, puisque je vous ai déjà tout dit un petit peu sur le jeu. Oui alors on parlait d'Extreme Limit. Vous voyez qu'il y a des médailles or, argent et bronze. Bah, quand on finit premier on a comme d'habitude la médaille d'or. Quand on finit deuxième, la médaille d'argent. Et quand on finit troisième, la médaille de bronze. Remise des médailles. Je suis même pas, je parie sur le podium. Parce que voilà, quand ça se termine, on est sur le podium. Et là, je ne suis pas dessus parce que je n'ai pas gagné de médaille d'or. J'ai gagné qu'une seule médaille de bronze de merde. Mais si on arrive à collecter les trois médailles d'or, ben on est premier. Si on arrive à gagner une médaille d'or, ou peut-être une médaille d'argent, puis une médaille d'or, ça devrait suffire. Donc voilà, c'est très très classique. C'est du très classique. Et voilà, quand on termine, on passe direct au menu principal. Donc je vais refaire le mode championnat. Je vais me mettre en mode hard. Pour vous montrer les épreuves d'autres épreuves. Et disait voilà, bah, franchement ce jeu, bah, pour moi c'est un peu l'extrême limite like du, bah, c'est un peu, j'ai envie de dire un peu un portage de la série télé en jeu vidéo quoi. Franchement je trouve que ça ressemble énorme. Alors voilà, l'épreuve, dire n'importe quoi. Allez, l'épreuve du sol classique, c'est tout con, regardez, il va sauter tout seul. Et faudra appuyer au bon moment, on nous dit attraper la barre. Regardez, quand on voit la barre, on appuie sur la touche action et hop, on prend la barre. Ça c'est stylé quand même, même si c'est tout con. Ça c'est stylé, surtout sur Dreamcast à l'époque, c'était assez impressionnant. En 2000, merde, j'ai pris le truc, j'utilise un peu de turbo. Allez, je vous montre les coups, je vous avais pas commenté. Voilà, je suis mis un peu dans la gueule. Ça c'est assez pas mal, voilà, quand on est sur la ligne d'arrivée, parfois ça m'est arrivé. T'es sur la ligne d'arrivée, hop, je leur mets des coups. Bon, ce qui est un peu con, c'est que l'IA des adversaires là aussi est pas fichu correctement. C'est à dire que bon, ils feront toujours le même chemin, ils feront jamais des raccourcis. C'est très facile de les niquer et vous taperont jamais. Par exemple, regardez là, ils répliqueront jamais, même en mode des plus difficiles. Ils répliqueront pas, donc ça c'est con. Je trouve. Allez, hop, j'essaie de freiner au bon moment. Regardez là, je suis tout près du quad, donc j'ai fait un freinage assez excellent. Ça me permet de gagner des bonnes secondes par rapport à mes adversaires. Voilà, on est dans Extreme Limit Like, quoi, j'ai envie de dire. C'est vraiment un jeu qui me fait énormément penser à cette série de merde qui était vraiment épouvantable hein. Je crois que c'est la plus pire série qu'on ait pu faire. Je crois que même sous le soleil à côté c'est un chef d'œuvre. C'est vraiment, c'est vraiment de la merde. Alors là j'ai pas pris de raccourci encore une fois, encore jusqu'à présent. J'aurais pu en prendre un là, je l'ai oublié. Le jeu est truffé de raccourci, faut le savoir. C'est truffé de raccourci dans tous les sens. Vraiment ça aussi c'est pas mal pour le multi avec ses potes de prendre des raccourcis. Oui, je disais, ouais, la série Extreme Limit, je trouvais que c'était totalement nanar, mais c'était des nanars, mais d'un kitschissime, c'est naze. Notamment, je me souviens d'un épisode où il y avait genre, c'est en fait un peu le speech de la série, quand je voulais le faire, pour ceux qui ne connaîtraient pas, les plus jeunes d'entre vous. Le speech de la série, en gros, c'était une académie pour sportifs. En gros, c'était une école de sportifs, où il y avait un directeur plutôt strict, mais qui était plutôt cool. Il y avait des instructeurs plutôt cool, où il y avait une bande de jeunes, où il y avait des histoires d'amour à l'eau de rose, style premier baiser, toutes ces merdes-là. Et sous fond de sport extrême en quelque sorte.
Et c'était d'un nanar, des dialogues assez pourris, des trucs assez hilarants. Maintenant, quand on regarde ça, on en rigole, mais à l'époque, c'était assez pitoyable. Parce que franchement, moi, je trouvais ça naze, mais un truc de ouf. Attention là, faut pas oublier que je détache la corde et que j'atterrisse au bon moment, au bon endroit. Alors là, je me suis vautré comme une merde, mais putain, je fais un bon intérêt de chance, j'ai atterri directement. Parce que je croyais que je m'étais vautré, mais non. Je suis arrivé premier, vous voyez. Et je disais, ouais, c'était assez pitoyable avec des dialogues de merde. Je me souviens notamment d'un épisode où le directeur général du centre sportif d'Extrême Limite, bah, il se fait virer. Je vous laisse un peu le ralentir. Il se fait virer et un autre directeur, soit disant un peu plus méchant, qui vient genre imposer sa loi. Et il va voir les instructeurs. Et t'as une instructeur et une dame qui lui dit, ouais, on vous aime pas et tout. Mais c'était des nanars. C'était entouré de personnes qui faisaient du karaté, du kendo, genre un art martial avec les bâtons là. C'est assez pourri. Il y avait un mec qui gueulait et tout. Non, c'était vraiment folle. Théon, c'est nana. Je crois qu'en fin de vidéo, je vous mettrai un extrait. Cet extrait là qui était vraiment pitoyable parce que c'était vraiment kitschissime. Franchement, tapez Extrême Limite sur YouTube, délit, tout ça, et vous verrez que c'est assez pourri. Allez, hop, on passe à l'épreuve suivante. Allez, on finit ce mode hard. On se plante pas trop, et puis je vous montrerai un peu le mode spécial. Puis on va s'arrêter là. Voilà, alors voilà, que vous dire de plus, c'est voilà, comme je vous disais, ouais, c'est vraiment, je vous le conseille sur Dreamcast plus que sur sur PC. J'arrêtais pas de le dire, mais au moins vous êtes sûr que sur PC le portage était bâclé avec des petits ralentissements, le mode multi qui a été squeezé. Donc c'est assez pitoyable. Allez, là, une autre phase de saut élastique, vous voyez, on saute d'un autre environnement. Ça, ce qui était assez pas mal, ça aussi, c'était des environnements variés. Franchement, ça, c'était assez excellent. On avait des environnements variés. Aussi, que le fait est que les persos, bah, à chaque environnement, bah, par exemple, si on était dans un environnement de glace, mais ils étaient habillés différemment que s'ils étaient dans un environnement ensoleillé. Et là, je viens de me faire larguer, donc un petit coup de boost. Et donc, ouais, comme je vous disais, le VTT qui est assez pas mal, il y a un gameplay assez intelligent, donc faut pas faire n'importe quoi. Alors, regardez, j'aurais pu prendre à droite pour prendre le raccourci, j'aurais pu couper carrément, regardez, hop, là, je vais couper carrément au centre, hop, on s'en fout à la bourrinos. Allez, j'ai pas pris le même sommet que mes camarades, bon, même si là ça m'a plus ralenti qu'autre chose. Mais donc voilà, comme je vous disais, vraiment, on peut aller où on veut, et ça, c'était assez fameux pour l'époque. Franchement, le fait de pouvoir. Ah, il s'est vraiment fait mal entre les jambes, le mec. Je crois qu'il a plus de testicules. Je disais donc, ouais, voilà. C'était assez pas mal de faire ce qu'on voulait en quelque sorte, d'aller où on veut pour dépasser. Parce que la liberté que proposait le jeu était vraiment fameuse. Allez, j'essaie de me concentrer pour pas arriver dernier, comme tout à l'heure. Et pas passer pour un mec craignos, comme dirait les jeunes. Même si cette expression n'est pas du tout jeune. Hein. Craignos, c'est assez ringard. Je sais pas pourquoi je l'ai dit. Mais c'est assez pitoyable. Alors allez, hop, je peux couper, même si là c'est n'importe quoi parce qu'il fallait de ce côté. Donc ouais, alors un petit bémol aussi, c'est la flèche. Regardez, la flèche, elle est juste en dessous de mon véhicule. J'aurais bien voulu qu'elle soit en dessous du timer, qu'elle soit plus visible, parce que là elle est pas très visible, faut toujours regarder vers le bas de l'écran. Et parfois c'est dérangeant. Attention à ne pas rater le tremplin et tomber dans l'eau, parce que si on est trop dans l'eau, bah regardez, ça nous ralentit et surtout on peut couler et repartir. Alors quand on fait une fausse manip, si on se casse la gueule, ils sont assez cool, on nous remet assez rapidement dans le jeu. Et là, je finis dernier comme une merde. Ça, c'est pourri. Je fais un peu de la merde. Alors, je suis arrivé premier dans l'autre épreuve, heureusement, mais là, j'ai fait un peu de la merde. Ah oui, je disais aussi, les environnements, c'est assez classieux. On a des beaux effets de coucher de soleil, je trouve. Des beaux effets de coucher de soleil, des beaux effets de neige, etc. Donc, franchement, pour la Dreamcast, c'était vraiment joli pour un jeu qui était sorti en 2000. Il était porté plus tard en 2002 sur PC. Moins clinquant en 2002, parce que franchement, avec ça lente, c'était assez chiant. Mais, piste suivante, je passe à la preuve suivante. Je disais, ouais, le jeu était plutôt classeux, regardez. Le clipping n'était pas non plus trop outrancier, mais ce qui était un peu chiant, c'était, comme vous voyez, c'était pas, je sais pas comment on appelle ça, c'est pas vraiment un clipping, mais le décor se construit au fur et à mesure, bizarrement. En quelque sorte, il n'y a pas trop de clipping, mais le décor est très. Merde, je me suis gabelé encore une fois, mais quelle bouse. Le décor est un peu déformé au loin, mais plus on approche, plus il se construit. Hop, là j'ai réussi à pas gagner. C'était juste. Alors attention à pas trop se gameler. Regardez, je peux passer à droite ou à gauche. Je suis passé à droite. Mais voilà, le point fort du jeu, c'est ce côté liberté totale de déplacement. Allez, concentration cette fois-ci. Arrêtez de dire concentration et ne rien faire. C'est passé quand même premier, bordel de merde, c'est bizarre. Hein. Bizarrement, hein, quand je capturais pas, j'avais terminé tous les modes de jeu en tête. C'est hallucinant. Allez là, une cascade de ouf, regardez, un pseudo malade. Je peux toujours faire. Non, là, j'ai n'importe quoi. Le mec, je lui ai pété sa colonne vertébrale. Ouais, comme voilà, comme je vous disais, ça va vous montrer.
ça vous montre que quand on se gamelle, bah, il nous remet tout de suite en selle, j'ai envie de dire, très rapidement. Et hop, là j'essaie de freiner, même si là je sais que j'ai un peu de la merde, j'essaie de me rattraper sur l'épreuve du parapente. Parce que franchement, l'épreuve du parapente, bah, y a moyen de se rattraper. Ouais, là aussi, ça c'est pas mal. Quand on se gamelle dans une épreuve, bah, c'est jamais vraiment terminé, parce qu'on a toujours le moyen de se rattraper sur l'épreuve suivante si on la fait très bien. Donc là aussi, le jeu est assez indulgent avec nous. Quand on se gamelle, bon, on peut toujours se rattraper si on fait pas le boulet sur l'épreuve suivante. Et ça, c'est cool. Voilà. Allez, pas faire le con. Pas toucher les bouées rouges, comme on disait. Prendre des bouées bleues, même si là j'en ai raté une. Pour avoir l'accélération au maximum, la barre bleue. Et passer là où il dit, parce que là, comme un boulet, je suis pas passé là où on me disait d'aller la bouée. Et j'ai perdu l'accélération. Vous voyez que je suis toujours dernier, on le voit à gauche, comme je vous disais. Et je fais de la merde. Et c'est hallucinant. Et c'est de la merde. Et je vais essayer de bien gérer aussi le freinage, parce que généralement les bots que nos adversaires, contrôlés par le CPU, bah, dans cette épreuve du parapente, ils font généralement toujours des freinages merdiques. On a toujours le moyen de se rattraper sur de beaux freinages, même si là je sens que j'ai fait de la merde. Non non, regardez, j'ai fait un beau freinage. Regardez, là je suis carrément en tête. Donc là aussi c'est assez bizarre, j'ai envie de dire, dans le sens où bah, j'étais dernier pendant toute la course, et à cause d'un bon freinage, bah, le CPU qui généralement fait des mauvais freinages, je suis passé premier. C'est un peu déséquilibré de ce côté-là, surtout pour l'épreuve du parapente. Là, regardez, carrément, avec une circulation, bon, les véhicules sont un peu mal faits. On se trouvait dans Mario Kart 64, là. C'est naze. Les véhicules sont assez mal faits. Mais, voilà, c'est assez pas mal. Franchement, c'est assez éclectique dans les épreuves. Et là, carrément, regardez comment on termine. Vite, je me dépasse en brûlant la touche entrée. Et là, regardez, il faut pas que je me manque, il faut que j'attrape la barre. C'est une épreuve du sol élastique, regardez. Hop, je vois la barre. Hop, j'appuie. Si j'appuie pas au moment, mais carrément, l'élastique me remonte. Et il faudrait que j'attende de redescendre pour rattraper la barre. Donc ça me fait perdre un temps infini. Et là, regardez, c'est assez. Voilà, je vous dis, le jeu est très intelligent. J'ai fait de la merde pendant toute la course, comme on va le voir sur le replay. Mais j'ai réussi à gagner quand même. Donc, pas de difficile le jeu. C'est pour ça que. Je sais pas si c'est une qualité ou un défaut. Je pense plutôt que c'est un défaut. Parce que vu que le mode solo est très très court et que sur PC on n'a pas de mode multi, bah, on torse le jeu très rapidement et on se lasse très vite. Même si, franchement, voilà, comme je vous disais, la bonne version, la supérieure version, c'est sur Dreamcast. Et en multi, on s'éclate vraiment. Voilà, on s'éclate vraiment, même si on n'a pas beaucoup de choix, des personnages, etc. Vraiment, ça reste un jeu fini. Allez, hop, je vais pas perdre de temps. Est-ce que j'ai terminé le mode championnat? Allez, on va terminer, voilà, c'est la dernière course, puis on va passer au mode épreuve très rapidement, puisque j'ai pas tout débloqué. Ma sauvegarde sur Dreamcast est complète, donc j'ai débloqué toutes les épreuves, tout ce qu'il fallait avec les points, parce que je vous ai pas montré, là, j'ai pas réussi à en choper, mais il y a des petits items à récolter dans ces épreuves-là, en mode championnat. Quand on récolte plusieurs items, plusieurs pièces, parce que c'est des pièces, bah, on peut débloquer des épreuves spéciales, mais en fait, des times, des contre-la-montre, en quelque sorte. Et ces contre-la-montre sont assez pas mal, parce que c'est pas des circuits... prédéfini comme là, mais c'est plutôt des épreuves avec un circuit ouvert, totalement freestyle. Il faut suivre la flèche pour pouvoir les terminer. Ça c'est pas mal, mais j'ai pas réussi à les débloquer tous sur PC, mais sur Dreamcast, parce que dommage que je puisse pas capturer sur Dreamcast, parce que je l'avais dit dans mon ancienne vidéo, mon boîtier de question a rendu l'âme. J'ai fait la vidéo sur PC et j'ai pas tout réussi à finir, mais j'en ai débloqué une au moins. Donc vous pourrez la voir. Et voilà, allez, concentration. Et ça doit être parti devant moi, mais pas d'inquiétude, parce que si je roxe pas mal à l'atterrissage du Death Laplan et que je fais pas trop le boulet, bah, je peux carrément gagner la course. Donc, allez hop, attention, pas touché. Voilà, là, j'ai touché les bouées rouges. J'ai perdu l'accélération. Merde. Alors, au départ, pour l'épreuve du Death Laplan, bon, merde, je fais un peu de la merde. Au départ, l'épreuve du Death Laplan m'a demandé un petit temps d'adaptation quand même. Même si le gameplay est assez intuitif, il faudrait quand même un petit temps d'adaptation, même si c'est pas très compliqué. Genre, allez, bon. 10-15 minutes et après on a une bonne prise en main, mais voilà, on a une petite temps d'adaptation, mais c'est pas très compliqué, c'est pas non plus infaisable. Et là je fais de la merde, je suis totalement pourri, je suis dernier. Alors, je vois la fin, elle est au fond, vous voyez, pardon, merde, qu'est-ce que je fais, pourquoi je dis pardon, je voulais dire juste que là on me dit de détacher ma corde, même si là j'ai fait de la merde, j'ai lâché un peu trop tôt et je suis très lent, donc j'espère. Putain, mais là je fais n'importe quoi, vite. Allez, vite, parce que le checkpoint, il faut vite que je prenne le vélo. Ah là, non, mais là c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi! Eh ben voilà, justement, ça me permet de vous montrer quand on rate une épreuve et on passe pas à temps, ben, on a, vous voyez, un cercle qui a été coché, on a le droit à 3 tentatives par épreuve. Si on rate les 3 tentatives, ben, on commence carrément le championnat dès le début. Ce qui est assez frustrant, donc il faut que je me concentre, j'arrête de faire le con.
avec concentration. Guitare, je vais vous laisser profiter un peu des musiques qui sont vraiment pas mal, franchement pas mal. Allez, cours, bordel! Ah là là, je suis encore damné. Je suis toujours damné de toute façon. Je commence toujours damné, mais franchement, voilà. Généralement, c'est toujours l'épreuve du parapente. Ou généralement celle du VTT qui me... avec laquelle je rock un peu plus. Voilà, je fais n'importe quoi, je suis passé au milieu. J'ai perdu de l'accélération. Vous voyez que je récupère des bouts et bleus. Hop, ouais, voilà, comme je vous disais, pour chaque épreuve, il y a une musique différente. Ça, c'est assez intelligent de leur part. Des conditions climatiques aussi. Bah, là, vous voyez qu'il pleut. Des conditions climatiques différentes à chaque fois. Il fait beau, il pleut, il neige. Là aussi c'est un petit détail, c'est plaisant. Des tenues vestimentaires différentes pour chaque temps. S'il pleut, bah, ils sont habillés avec des manches longues et des pantalons. S'il fait chaud, bah, ils sont en short, généralement en jupe pour les dates. Pas en jupe, je ne vois pas de fille en jupe. Ils sont plutôt en t-shirt, manches courtes, etc. S'il neige, bah, ils sont avec des tenues de ski, etc. etc. Donc là vous voyez que j'ai pas pris assez d'accélération, donc je suis assez lent. Je vais lâcher au bon moment. Allez, ici. Ah, j'ai lâché ici, même si je me suis un peu vautré. Vite, 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 vite. Allez, un petit coup de boost, le checkpoint, voilà. J'ai réussi à passer le checkpoint. Bon, allez, je me suis gavé. Allez, je vais arriver dernier. Ah, même si je suis deuxième, comment ça? Ah ouais, je suis deuxième, quoi, carrément. Alors là, je comprends pas, voilà. Je vous disais, ouais, l'épreuve du Delta Plane est un peu cheatée, parce que franchement, voilà, quoi. On est très vite premier ou second quand on... Bon, vite, vite, le checkpoint, il est juste là, le finish. Ah, je passe, oh, je suis passé. Ah, ils sont généreux. Bah, là aussi, voilà, ils sont généreux. Pour le checkpoint, voilà, même quand c'est zéro et que le personnage continue à glisser, à rouler, ou à voler, bah, le checkpoint peut être pris en compte, même si c'est après zéro. Donc, ça, c'est assez pas mal. Donc, c'est cool, là-dessus aussi. Les replays sont aussi pas mal. Là, c'est un petit peu de replay aussi, avec les caméras qui sont un peu dans tous les sens et tout. C'est pas mal. Bon, allez, je vais laisser pas, parce que j'ai vu que la vidéo dure assez longtemps, je vais aller mettre le timer. Maintenant j'ai un petit timer pour regarder si les vidéos sont longues. La vidéo commence à être un petit peu longue. Donc voilà, remise des médailles, je pense que là je suis troisième. Ah non, je suis carrément premier. Regardez la faute de frappe, gagné, comment ils ont écrit ça. Ah ça c'est honteux. Ah les fautes de frappe, vous avez vu en bas à gauche. Si vous n'avez pas le temps de le voir, remettez-le en arrière. C'est assez pourri. Allez, on a terminé le mode épreuve, je suis arrivé premier. J'ai gagné assez de médailles d'or pour arriver premier. Allez, je mets le mode spécial pour terminer, pour s'arrêter là. Alors piste bonus, c'est pas le mode spécial. Quel time, il y a le time attack, ça c'est le mode où il faut passer le checkpoint à temps. Et bah, les pistes spéciales, bah, c'est celle-ci, regardez. Là j'ai débloqué la première, mais on a aussi pour un point supplémentaire pour une pièce qu'on aurait récolté dans le mode championnat. Pour débloquer celle-ci, puis celle-ci, il faut 3, celle-ci 5, celle-ci 7, 9, et voilà, ça s'arrête à 9. Sur Dreamcast, ce qui était assez pas mal, c'était qu'il fallait les débloquer en online. Bon, maintenant il n'y a plus d'online, donc c'est assez fâcheux. Mais on pouvait le débloquer en online, ça c'était assez pas mal. Alors, pour chaque épreuve, évidemment, qu'on aura sélectionné, c'est pas toujours les mêmes épreuves. Alors, pour la première, ce sera du quad. Évidemment, pour celle-ci, je crois que c'est du snowboard. Pour celle-ci, ce sera aussi du quad, je crois. Donc, pour chaque parcours différent, ce sera une épreuve différente, évidemment. Bah, c'est écrit, quel con. C'est écrit en bas à droite, quad. Ici, ce sera du VTT. Là, ce sera du quad. Là, ce sera du snowboard, du VTT, du quad. Et on recommence par le quad. Donc voilà, sur chaque épreuve, c'est pour chaque niveau, c'est une épreuve différente. Et la particularité qui est assez pas mal. Bon, on va prendre la note, pardonnez-moi, j'ai un petit rototo. Je vais prendre Kate, parce que j'ai pas pris de dame pour le moment. Pas écrit, on s'en fout. Et je dis oui, ces spécificités de ces épreuves-là, c'est qu'on n'a pas un circuit prédéfini, on n'a pas un tracé prédéfini. On est totalement libre, on a des grandes zones, et ça c'est vraiment impressionnant, c'était vraiment super classe pour l'époque. Mais regardez le checkpoint, bah, le timer est très court, donc il faut passer dans ces genres de gros bidons là. Pour augmenter notre timer avant le temps imparti. Donc c'est assez ardu en quelque sorte, même si c'est pas trop compliqué au départ. Mais faut bien gérer. On a le boost aussi, ouais, le turbo, qui accélère. Mais le turbo on l'a pas à l'infini, donc faut vraiment l'économiser. À chaque checkpoint qu'on aura passé, le turbo, comme vous voyez en bas à droite, bah, il va s'augmenter à chaque checkpoint. Mais faut vraiment l'utiliser avec parcimonie, parce que si on gaspille tout notre turbo d'un coup, c'est foutu. Et il faut toujours jeter un oeil sur la flèche qui est en bas, qui est toujours mal placée. Et s'ils auraient pu ils l'auraient mis en haut, à côté du timer, ce serait plus intuitif. Mais là, on va regarder en haut, puis
en bas et c'est pas très intuitif, dirons-nous. Allez, accélère. Ah, allez. 3 secondes. C'est toujours à la limite, hein, ces épreuves-là. Il faut vraiment bien être attentif sur le schéma, quoi. Et voilà, comme je vous disais, c'est assez pas mal. Ce jeu me fait penser un peu à Fuel, je sais pas si vous avez connu. Le jeu sorti récemment, il y a quelques années, je sais pas. Mais, bon, sorti sur les consoles Next Gen. Ah merde, voilà, j'ai pas pris de... Oh, quel boulet. Je vais sûrement perdre, j'ai pas pris le virage à temps. Comme je disais, ouais, voilà, il y a un jeu qui s'appelle Fuel qui est sorti récemment. Il me fait penser un peu à ce genre de jeu où on avait une totale liberté de déplacement. Allez, il est juste là, le checkpoint, allez. Ah, oh non, je l'ai raté. Ah non, je l'ai touché, voilà, il est off, j'ai cru que je l'avais raté, mais voilà. Le jeu est très très généreux, même si on passe allez, à 3-4 cm à côté. Il fait mine de ne rien voir. Voilà. Et comme je disais, voilà, ce jeu, c'est surtout ce mode de jeu là, me fait penser à Fuel, c'est un jeu où il y a des courses de moto, de quad et de véhicules. Un peu comme celui-ci, sauf que là c'est le sport extrême, mais l'autre c'était plutôt les véhicules. Où on était libre de tout mouvement. Et je pense que clairement il s'est inspiré de ce jeu là, Fuel. Les développeurs de Fuel se sont clairement inspirés de ce jeu là. Allez, on va s'arrêter là. C'était Pepsi Max Extreme Sport ou Sega Extreme Sport sur Dreamcast. Un excellent petit titre, surtout à prendre sur Dreamcast pour le mode multi et à pas prendre sur PC parce que l'optimisation sur PC a été bâclée. Rien que ça. Allez, je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Lâchez des commentaires comme je vous dis souvent. Et puis, ciao! Ah, j'étais presque, putain. Nous allons faire du bon travail ensemble. Moi avec mon sens des affaires, vous avec votre connaissance des sportifs, nous allons faire merveille. Cette académie a un rayonnement national. Il n'en faudrait pas beaucoup pour que ça devienne international. Bien. Qu'est-ce qu'il lui prend? Je pense qu'il préfère partir plutôt que de dire ce qu'il pense de vous. Ah oui. Un aigri. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ça ne me regarde pas. Et arrêtez de me jouer les violons. En ce qui nous concerne, je ferai mon travail, un point, c'est tout. Eh ben, comme ça, au moins, c'est clair. Cette académie, Colbert, en était l'âme, alors... Oui, une belle âme, mais une mauvaise gestion. Fois j'ai viré Colbert, mais j'ai loupé mon coup avec la toubib. Alors là, ce coup-là, je veux pas le louper, ok? Grande pimbèche avec ses grands airs, là. Tu vas dans son bureau, t'essayes de trouver quelque chose de compromettant, je sais pas, n'importe quoi, des papiers, il doit bien y avoir quelque chose qui traîne, hein? Ça sera plus facile pour la foutre à la porte.